Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 27e épisode de Pokémon version cristal liquide. Ouais c'est bien ça, je réfléchissais mais c'est bien ça. Et aujourd'hui, bah écoutez, déjà j'ai appris vol à Latias. Je lui ai enlevé Mist Ball. Certains vont peut-être râler. Mais en fait, comme il avait déjà Psycho et que j'aimais bien Charme et Soin, je me suis dit, je vais quand même garder ces deux attaques. Donc maintenant il a vol. Et le professeur Orme nous avait appelé dans l'épisode précédent, donc il faut aller le voir. Salut Nobby, merci, grâce à toi mes recherches avancent super bien. Prends ça pour une main. Hein? Ah oui. La Master Ball est la meilleure. C'est la balle ultime. Elle permettra de capturer n'importe Pokémon sans échouer. Elle est donnée à certains dresseurs. Elle est donnée à certains chercheurs reconnus, comme par exemple lui. Je pense que tu peux en faire bon usage, Nobby. Ok, merci. Maintenant, j'ai une Master Ball, c'est génial. Pour quel Pokémon je pourrais l'utiliser? Dites-moi un peu dans les commentaires. Si vous le savez. Donc, Sandra nous avait dit, il faut surfer. Et c'est ce qu'on va faire. On va surfer. Avec Tartare. Je vais un petit peu laisser... oui, c'est le soir, donc il y a la fameuse musique de Zelda. Je vais un peu laisser les Pokémon pour voir si c'est des Pokémon intéressants. Et de temps en temps, on ira regarder la carte. Alors là, c'est une zone de plongée. Enfin, je crois. Non, il y a toujours des tentacules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des repousses. Ça va être plus simple. Déjà, lui, je vais le mettre KO. Voilà. Bah, c'est fait. Et également, je vous ai pas tout dit, j'enregistre avec un nouveau logiciel. Qui s'appelle... Ouais, voilà, il faut aller sous l'eau. Enfin, on peut aller sous l'eau, du coup. Qui s'appelle Action Mirilis. Et il est tout à fait génial puisqu'il consomme beaucoup moins de processeurs de mémoire en fait que Fraps. Alors regardez, on est à la route 100, c'est assez étrange, je pense pas que ce soit là en fait. voilà, il consomme beaucoup moins que Fraps, donc ça va me permettre d'enregistrer mieux et en plus je peux enregistrer ma voix par-dessus. Et sais-tu ce que tu viens juste de faire là? Tu viens de faire ton premier pas sur Kanto. Regarde ton Pokégear, ton Pokématos, comme il y en a un qui me l'a fait remarquer dans les commentaires. On est mercredi 8h10, c'est exact. Et voilà, on est à Kanto les amis. Enfin, on est arrivé. Voilà, vous imaginez pas tout ce qu'on a fait en 26 épisodes. On a fait Johto et maintenant on est à Kanto. C'est énorme. Et voici la route victoire, notre ligue. Regardez-moi un peu cette carte. Vous reconnaissez quand même. Rouge feu, vert feuille, c'est la même. Ça va être énorme. L'aventure ne fait que commencer. Et comme elle ne fait que commencer, on va continuer. Alors attendez, hop. Voilà. C'est parti. Le lien entre Johto et Kanto, c'est ici. Bon, là, il n'y a rien, a priori. On pourrait surfer là-bas. Bon, allez, on va vite fait jeter un coup d'œil. C'est parce que j'aime bien la musique. Oh, un objet. Oh, super bonbon, intéressant. Intéressant. Là, il y a peut-être un objet caché. Non. Enfin, attendez. Pas tout regarder, non, il n'y a rien. Et je crois que c'est bloqué à droite, donc c'était juste pour le super bonbon. Voilà, c'est ça. En fait, pour la petite anecdote, la route 100, oh, un tentacruel. La route 100 mène aux îles Orange. Et pour l'instant, en fait, je peux pas prendre le bateau, enfin l'embarquement qui me mène réellement aux îles Orange. Parce qu'avant d'arriver aux îles Orange, il y a une petite plateforme en fait, où on peut y aller. Mais comme je n'ai pas le pass pour rentrer dans les îles Orange, ça sert à rien. On ira, hop là, quand j'aurai le pass. Donc on est obligé d'aller là. Oh, je suppose qu'il va falloir flash. Ah non, ça va. Allez, super repousse, on va faire cette grotte. Ensemble, maintenant. D'ailleurs, je vais me permettre d'enregistrer le... Voilà.
On cherche objet. On sait jamais. Non. Ah oui, cascade, c'est vrai. Alors, ça fait beaucoup d'aller-retour dans le sac. Il me faut cascade. Donc cascade, on va la prendre à Tartare. La chasse peut aussi la prendre. Intéressant. Mais bon, comme c'est une attaque physique, c'est plus intéressant pour Tartare. Franchement, j'ai vraiment envie d'enlever cette attaque. Hein. Mais je pense qu'il faut pas. Non, sérieux. Je pense qu'il faut pas. Non, en même temps, c'est normal. Hein. Tant pis, je vais enlever ça, ça m'énerve, mais... J'ai pas le choix. Hein. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous savez, est-ce que je peux enlever Siphon? Parce que pour attraper Lugia, il faut peut-être y aller encore, c'est pour ça. Ça m'embête un petit peu. J'ai peur d'être bloqué à cause de ça, à moins qu'il y ait un Pokémon qui puisse l'apprendre. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en serai énormément reconnaissant. Oh, peut-être elle est là, peut-être un objet. Oh! Ah, un Pokémon. Pierre-Lune. Génial. Donc ça, c'est un Pokémon. Bon, pour l'instant, j'y retournerai une prochaine fois. C'est pas très grave. Donc, pour parler un petit peu de ce logiciel qui enregistre, il fait pas mal de choses. Donc déjà, bien évidemment, il me permet d'enregistrer la voix, la musique en même temps, tout ça. Ça c'est cool. Ah ouais, non, mais que ça en fait. J'aurais même pu retourner. Bon, tant pis. Et... Ah! Ok. Et oui, et donc il permet aussi de... Ben, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais plus. Super. Ah oui, il permet aussi de régler, je peux régler le son du micro et du son du jeu. C'est-à-dire que je peux, genre par exemple là j'ai mis le micro à 87% et le son du jeu à 16%. Ce qui me permet de ne pas remodifier dans mon logiciel de montage tout ça. Oh, vous sentez pas ce Florizarre à la fin? Par contre ils sont pas très beaux les Pokémon, c'est triste. Alors, pour l'instant je gère, j'ai pas Psycho, hein, je sais. Mais c'est pas grave. Si j'ai Psycho avec... allez, je vais changer. Avec Latias. Waouh, il est magnifique. Il va prendre cher. Voilà. Notre coco niveau 45, ah bah oui, avec le multi-exp. Énorme. Oh, tu es vraiment fort. Ouais. Je sais. Alors, qu'y a-t-il ici? Je sais plus. Je sais qu'il y avait cette maison avant. Hein. Ah, peut-être même les soigner. Alors, tu vas où? La ligue Pokémon? Est-ce que tes Pokémon sont suffisamment forts pour gagner? Voyons voir. Oh! Tes Pokémon... Non, ton Pokémon a confiance en toi. A beaucoup confiance en toi. C'est bien de voir un bon dresseur comme ça. Tiens, voici un cadeau. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, tempête de sable. Pas très utile. Enfin, oui et non, hein, pour l'instant, j'ai pas de Pokémon à qui ça serait utile. Bon, ça, c'est les combats absolument à faire, donc on va les faire. En fait, ce sont que des top dresseurs qui apparaissent ici. Jusqu'au bout. Ouais, non, on va changer en fait. Mais mes niveaux m'ont l'air tout à fait correct. Enfin, 45, ça m'a l'air pas mal. Bon, 43, sont des exceptions, mais je pense que ça peut le faire. On verra un peu à la ligue. De toute façon, je fais pas la ligue maintenant, donc vous avez largement le temps de me laisser vos commentaires en me disant quels seraient les niveaux, quels seront plutôt les niveaux de la ligue. Et je m'adapterai en fonction de vos réponses. C'est pas grave, on poursuit. Utilise une hyper potion pour changer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'épisode, enfin si, j'ai fait une annotation.
dans l'épisode 24 et 25, même le 23 aussi, le son du micro était pas bon. En fait, j'ai changé de micro, mais c'était pire, je sais pas pourquoi, ça me rendait comme si j'avais tout le temps le nez bouché. Déjà que j'ai tout le temps le nez bouché, mais là, c'était pas fameux du tout. Ah oui, non, mais non. Donc j'étais vraiment mécontent. C'est pourquoi j'ai repris l'ancien. C'est triste, mais c'est comme ça. Un beau micro, enfin un bon casque micro, du moins, c'était pas un micro. C'était un casque micro, bah, il sert à rien. Tant pis. Amnésie. Ça augmente la défense spéciale, ce truc-là, non? Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Bon, tant pis, hein, on continue. De toute façon, il va pas aller bien loin. Ouais, non, mais c'est bon, quoi. Je peux pas le battre avec Spectrum, hein, il veut pas. Hein. Bah, ouais, c'est ça. Allez, mets le KO au prochain tour, là, tu peux le faire. Ça serait cool. Non, mais non. Bon, on va changer. Parce que là, c'est pas intéressant du tout. Mangriff, tiens. Puisqu'il m'a baissé ma défense spéciale, moi je vais lui baisser. Enfin, je vais rien lui baisser. Mais je vais attaquer avec ma attaque physique. J'avais vive attaque avant, mais je l'ai plus. Mais c'est pas grave. Et là, on va rechanger. Parce que sinon, il va faire dodo. Et tous mes Pokémon ont gagné. Et Execute, ce serait pas mon beau notre coco? Allez, on va faire flamèche, enfin roue de feu. Ah non, c'est le petit. Oh, ça va. Oh, normalement, il est KO. Génial. Je crois que la route de victoire, ah ben non, il y a une grotte quand même. C'est le plateau Indigo d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, c'est le même de toute façon pour Kanto et Johto. Là, il doit y avoir des Pokémon. Il doit y avoir en fait un Pokémon assez rare par zone. Mince. Oh, le piège. Il m'a dit. Attends, je vais essayer de deviner ce que tu penses. Enfin, où tu vas plutôt. Il me fait ah, tu vas aller avec Pokémon. Et ouais, c'est ça. Alors, notre coco, ah, c'est pas intéressant non plus. On va changer, on va prendre. Mangriff. Ouais, je pense que c'est le mieux. Ouh là là. Tour rapide, c'est la mort. On va faire ça histoire de. D'enchaîner tous les Pokémon qui vont arriver. Avec tranche. C'est bête qu'il soit rapide. Bon, en même temps, je pense que je vais mettre KO. Ouais. Dommage. Ensuite, encore un E9. On poursuit. Ah, j'aurais pu faire aéropiqué. Non, c'est bon. Pourtant, il est bon en défense. Et Girafarig. On va encore faire tranche. Ouais, bien joué tout ça. Pas mal. On va enlever le multi-exp de mon autre coucou. Il a trop de niveaux d'avance. Là, on va le donner à Typhlosion. J'aime bien la musique. C'est la musique de la tour de combat. Là, donner. Tac. On va les soigner de leur statut. Donc, il y en a un qui est paralysé. Ok. Voilà. L'autre, il dort. On va le réveiller. Comment? J'en ai plus? Bon, bah tant pis. Utiliser ça. Voilà. Et on va mettre Spectrum en premier. Et c'est parti, on continue.
Tu es bon, n'est-ce pas? Ouais. Je suis très bon. Je suis brave. Il a un sabre... Oula, j'ai un trou. Sablero, pardon. Allez, prends-toi ça. Pas mal, pas mal. Ah, sniff. Il va se soigner. Logiquement logique. Donc le prochain épisode, normalement, c'est la Ligue. S'il n'y a pas un événement externe qui vient s'introduire, comme l'arrivée de la Team Saturn avec Namers, avec Zayn, Axel, le trio. Il m'a enlevé un PV, quoi. C'était vachement utile, son attaque. Hein. Comme je l'évite, il peut rien faire. D'ailleurs, oui, ben, vous me faites penser qu'il faut que je le fasse évoluer. J'oublie à chaque fois. Ouais, niveau 44, c'est bon, ça. De toute façon, avant d'arriver à la grotte, au pire, s'il me manque des CS, je referai le tour. Non. Attendez, je veux voir un petit peu... Bon, on va aller la faire. Tu ne devrais pas sous-estimer les Pokémon sauvages dans ces zones-là. Ben... Pff, oui et non, hein. De toute façon, j'ai des repousses, donc ça sert à rien. Bon, lui, ça va être bien. On va lui faire ballon, c'est super efficace. Voilà, il est KO. Ouais. Ensuite, tu vas peut-être monter niveau 44, quoique il gagne pas beaucoup d'expérience. Ah si. Tout à l'heure, j'en gagnais pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ah oui, mais non, parce que j'avais divisé avec tout le monde. Ensuite, encore. Bon bah, écoute. On va changer une équipe qui gagne. Juste que j'ai pas beaucoup de PP. Voilà. Allez, encore Staros, je suppose. Oh! Un Nidoqueen. Intéressant. Intéressant, mais peut-être pas suffisant. Et on voit. Ouais, en deux coups, c'est fait. Non, mais sérieux, là. Faut changer, hein. Tac. Voilà. C'est des cool traders. C'est même pas des top dressers. Enfin si, je pense que c'est des top dressers. Mais en français on dit top dresser, mais ils doivent dire cool trader. Ah non, 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 c'est Ace. Oh, il m'a vu. Je me sens bien aujourd'hui. League champ. Ah bah oui, il a la ligue des champions. Non. Cool fish. C'est bien, ça remplit mon Pokédex. C'est cool. Allez, plus que 3. Si je peux les mettre tous KO en un coup, ce serait bien. Ouais, voilà, déjà 1. On va voir ce qu'il va amener. Bah, bon, on va continuer. Lui, t'es niveau 38, je crois. Ou peut-être 39, je sais plus. Bah, un niveau de différence, tu peux le mettre KO quand même. Non, bah non. Un niveau de différence. Waouh, hydrocanon quand même. Je vais changer. Je vais changer. Non, non, en fait, non. Eh si, j'aurais dû changer. Parce que là, j'ai plus d'attaque. Par malédiction et compagnie, mais c'est tous des trucs en plusieurs tours ou qui agissent pas physiquement. Enfin, directement. Je vais amener Typhlosion. Étant donné que c'est lui qui a le multi-exp, histoire de pas trop diviser le. Oh bah oui, mais non, je pensais pas qu'il allait faire ça. Ouais, ça va. On va faire coup de boule là. Et là, il est empoisonné avec point poison. Eh oui, bah oui, bien sûr. C'est pas grave, tu montes au niveau 45. Et on va te changer. Et il apprend Météor. Wouhou! Génial. Ça c'est Poisson roi, Mangriffe, ça suffit.
J'espère que la grotte victoire, là, la route victoire, elle est pas super longue. Et que je peux la faire dans cet épisode. Au pire, je coupe au montage si je vois que c'est un peu long. Ok, on va tout de suite soigner Typhlosion. Antidote. Voilà. Et je vais donner... Alors, attendez. Ok, on va donner ça. Non. Voilà. On a restauré les PP de sombre bol... Balombre. Sombre bol. Bon, on va voir ce qu'il y a. Il y a quoi comme Pokémon? Comme Pokémon. Des abos. Et l'autre qui me disait, tu ne dois pas sous-estimer les Pokémon dans les hautes herbes. Allez, bye. Super repousse. Je crois que c'est après. Non. C'était avant. Voilà. Il y a quoi en haut? Ah, c'est la suite. Alors, attendez. Là, il y a quoi? C'est quoi si je vais là? C'est là qu'en fait, il faut tout recommencer. Non, sérieux, j'ai peur, là. Ah non! No! Ah, bon, ça va. Bah, attendez, il y a peut-être quelque chose, là. Ah, d'accord, ok. Très bien. Non, bah, il fallait pas aller par là. On va recommencer. Donc, on va faire le combat. Eh, hey, regarde-moi tous ces badges, je suis impressionné. Tu n'es pas satisfait juste en les collectionnant, quoi. Satisfait? Bah, si, quand même, j'ai quand même remporté les 8 badges. Mentali. Bon, il faut que j'attaque avant. Oui. Non, mais même, ça suffira peut-être pas. Si, ça suffira à coup critique. J'ai eu de la chance, parce que si je me prenais un psycho dans la tête... C'était fini pour mon spectrum. Quand je dis fini, fini. Bon combat, bon match. Exact. Allez, on poursuit. Ah là là, j'ai trop hâte. On va quand même voir ce qu'il y a dans les six herbes-ci. Peut-être un petit objet caché. Oh, une maison cachée, j'en demandais pas tant que ça. Ah oui, attendez. Il y a quelque chose d'écrit ici, voulez-vous le lire? Oui. À mes frères et sœurs, nous avons la fierté de servir les dresseurs de Pokémon. Enfin, nous sommes des dresseurs de Pokémon. Enfin, quand les dresseurs nous parlent, nous leur donnons quelque chose d'utile. De l'amour, Monica. Continuez à lire? Oui. Lundi, Monica. Alors ça, ce sont tous les champions d'arène. A priori, qu'on peut... Ou non, pas les champions d'arène. Non, pas les champions d'arène. Les dresseurs qu'on peut rebattre. Donc il y a Monica route 40, Tuscany route 29, etc. Ouais, ça je m'en souviens. Ok, très bien. Il s'est mis à pleuvoir. Qui s'est mis à pleuvoir? On continue. Encore une maison, peut-être pour les soigner sûrement, je pense. Ah, tes Pokémon sont fatigués, voilà. Et voilà. On continue. Salut toi! C'est exactement le même chemin que. Qu'on a les versions originales. Enfin, je reconnais en tout cas depuis le remake Heart Gold Soul Silver. Pikachu! Ah, lui par contre, il est mignon. Alors, Balombre. Normalement, KO. Sans souci majeur. Tank, d'accord. On dirait un... Oh! Ça par exemple. Un Tortank à quatre pattes. Oh, faut le voir pour le croire, hein. Je crois que dans aucune version, à moins que je me trompe, hein. Enfin, ou peut-être dans les versions Colosseum, Stadium et tout, auxquelles je n'ai pas trop joué. Enfin si, bon, Colosseum, oui, mais bon, dans Colosseum, Tortank, je crois pas qu'il soit comme ça. Jamais il y a un Tortank à quatre pattes. Et on dirait qu'il est prêt à faire son hydrocanon. Bon, au prochain tour, il est KO.
En plus, il y a la pluie qui est avec lui là. Un petit surf, je pense que je vais prendre. Mais il est bidon. Hein. Je sais pas, profites-en pour m'attaquer, pour me faire un bel hydrocanon là. À mon avis, je suis KO hydrocanon. Non. C'est triste. Quoi? Ah oui, non, c'est lui qui a attaqué. J'allais dire, c'est pas possible. Ouais, presque niveau 45, hein. Typhlosion. Ou niveau 46, je sais plus. Ah ouais, déjà niveau 46. Là, il y a une baie. Ok, on l'a récupéré. Ça, c'est fait. Alors... on va surfer un petit peu. Bon, il n'y a rien. Bon, il y a bien... il n'y a pas d'objet, là. Alors, Pokémon, on va mettre Mangriffe devant Tartare en seconde position. Hop, on va switch. Voilà. Si tu fais des combats, tu gagnes de la puissance. Bah oui. Quand même. Tout à fait normal. Alors, Ampiflore... je vais te faire bah ouais ça hein, aéropiqué. Pas mal, pas mal là. En Sandou. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Rien de plus simple. Normalement il monte au niveau 45. Ok. Niveau 46, logique. Ça c'est l'autre là. Pyroli, donc on a des tartares. Bon, ça ils ont pas changé le sprite du Pokémon, l'image. On va faire cascade. C'est beaucoup plus puissant que... enfin beaucoup plus. Pas tant que ça, mais comme je suis bon en attaque physique, eh bien, c'est plus intéressant de faire cascade. Donc là, c'est Krabos, si je me souviens bien. Krabos, on va te faire sacrifice. Oh non, il recommence. Écrasement. Et il a peur. Et il va encore se protéger. Paris combien? Non, ça va. Ah, allez. C'est tout? Non, on va changer. On change. Attendez, attendez. Tac, tac, tac. Allez, Mangriffe. C'est à prendre, hein, tu. Voilà. Mais il est bon en défense, celui-là. C'est pas possible. Mais non, en plus, il me fait perdre ma vitesse. Là. À tous les coups, il va se soigner. J'étais sûr. Bon, je crois que la grotte, ça va pas être pour aujourd'hui, hein. Sans pas de tout enchaîner. Donc on va faire ça en deux parties, voilà. On va dire que la première partie c'est donc la semi-route victoire, enfin la partie avant la grotte et la partie après la grotte, voilà. Parce que là je pense qu'on a bientôt fini. Plus ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on voit le temps. Enfin a priori, si j'ai bien compris, il y a le temps à côté des images par seconde pour l'enregistrement. Donc normalement on serait à 33 minutes si ce qui est marqué est juste, hein, je suis pas sûr.
Encore un top dresseur, donc j'aimerais bien le monter lui. Attendez, je vais lui donner une super potion. Voilà. Et on y va. Il fait ses préparations finales là, pour la Ligue Pokémon, d'accord. Parasect. Mais non, j'ai pas de chance. Hein. J'ai vraiment pas de chance. Quoique, il est insecte et poison. Non, en fait, c'est efficace. Ou insecte et plante. Non, il est insecte et plante. Donc ouais, on va changer. Je vais prendre Typhlosion. On va faire Tour de feu. Ah, allez, allez, allez. Pas le temps en fait qu'il affiche ce logiciel là. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Truc là, le canard. Aquaquac. On va prendre Spectrum. Je sais qu'il est pas de type psy, hein, je vous vois venir. Non, parce qu'au début je croyais qu'il était type psy, parce qu'il a, il peut apprendre des attaques psy, c'est pour ça. Des Pokémon comme ça, on croit qu'ils sont double type, comme par exemple, enfin ou un autre type du moins, Azuril, type normal, pourquoi? Pourquoi type normal Azuril? Je sais pas. Mais en tout cas, il est pas haut. Mais lui, il est que haut. Voilà, c'est fait. Je crois que c'était le dernier, hein. Me semble. Ah. Faudra venir. Ah non, c'est pas le dernier. Ah ben voilà, celui-là c'est le dernier. Je ne peux pas te voir. Pourquoi? Je ne peux pas voir Kenzie. Je ne peux pas voir quoi? Ah bah oui. Parce que. Parce qu'il pleut. Je sais rien. Ça c'est bien. Pouvoir lui faire cascade. Pas mal, pas mal. Ah oui, quand même. Non, 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 allez, tu survis là. Une attaque si puissante qui enlèverait du tout. Génial. Ouais, niveau 47, c'est bon ça. Magneton, on change. Magneton, Magneton. Allez, Typhlosion, encore à toi. Je te chéris en ce moment, hein. T'as de la chance. Roue de feu. Ouais. Ça c'est bon, coup critique, génial. Et ensuite, oh, alors là je n'ai aucune idée. Infect, d'accord. Je pense qu'il est roche et sol. Enfin, je sais pas. En tout cas, Tartar, il peut le mettre. Peut le mettre mal, mais. Crunch. Crunch. Parce que je sais qu'à la fin, il est roche et ténèbres, il me semble, en tira nocif. Mais est-ce que là, il est déjà ténèbres? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah voilà, ce temps bloque ma vue. Si seulement j'avais des lunettes. Quoi? Quel temps? Ah, il croit qu'il y a des tempêtes là. Bon, le dernier? Le dernier combat? Allez, c'est parti. Hein.
J'ai perdu contre un dresseur appelé Cristal. Il était vraiment fort, mais... Il tenait absolument à gagner coûte que coûte. J'étais vraiment désolé pour ces Pokémon. Comment ça? Ça veut dire qu'elle a... Non, mais elle a quand même perdu. Rapidash. Waouh, magnifique. Du-du-du-du. Magnifique ce galopin. Bof. Magnifique mais pas très intelligent. J'espère que l'intelligence artificielle des dresseurs dans la ligue sera bien meilleure. Parce que là j'ai peur. Super. Les Pokémon ne sont pas des outils de guerre. Ah voilà pourquoi elle se sentait désolée pour lui. Pokémon on peut pas l'évaluer quoi. Ils sont des partenaires. Très bien, bah écoutez, je ne vais pas franchir le pas de plus. Je vais m'arrêter ici. On se retrouve donc pour l'épisode 28 assez rapidement, je pense. Pour la deuxième partie, mais ça se trouve il n'y a pas de grotte, je dis n'importe quoi, donc bon, on verra bien, mince. On verra bien par la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas la ligue, ça sera en direct sur YouTube. Je ne sais pas encore le jour, je vous ferai peut-être une vidéo dessus ou un message sur YouTube. Donc laissez connecter, enfin, soyez au courant du flux de ma chaîne. Et puis voilà, on fera le live avec New Titeuf si tout va bien. Bye bye tout le monde.